Bonjour à tous. Bon, petite vidéo rapide à propos du masque et de toutes les critiques que je prends par rapport à ça. J'en reçois aussi sur le fait que je mets pas d'arrière-plan et que je mets pas de bande-son. Mais les pires, c'est sur le masque. Donc je tenais vraiment à faire une vidéo. Donc déjà, je tiens à vous dire que j'écoute chacune de vos critiques, chacun de vos conseils. Justement, sur ma dernière vidéo, comme vous avez pu le voir, si vous l'avez vu, j'ai mis un arrière-plan et après, je mets des bandes-son quand ça s'y prête. Surtout, croyez pas que je me fiche de ce que vous me racontez, vos critiques et vos conseils, quand je peux les résoudre, je le fais quoi. Et le problème, c'est que sur le masque, c'est un peu compliqué, parce que là, j'ai pas beaucoup de solutions. Il y en a beaucoup qui me conseillent de faire de la voix off, et effectivement, ça s'y prêterait plus par rapport aux vidéos que je fais. Mais prochainement, je ferai de la parodie, comme j'ai déjà dit, et je préfère rester en face cam, quoi. J'ai pas envie de me cacher derrière une voix off. Et si je mets un masque, c'est aussi pour raison personnelle, car très peu de personnes, même de mon entourage, sont au courant que j'ai une chaîne YouTube et j'ai aussi un travail dans la vie. Et j'ai pas envie que ça se sache. Même s'il y a peu de chances que ça arrive, je veux pas prendre le risque. Puis en même temps, il n'y a pas que moi qui dissimule mon visage, quoi. Il y a d'autres YouTubeurs assez gros qui le font, comme Dimitri ou Defecator, et même plein d'autres, quoi. Après, ok, ils ont pas un masque pourri comme le mien, j'en conviens, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ils montrent pas leur tête. Et enfin, j'ai acheté énormément de matériel pour me lancer, et tout ça, ça a un coût. La caméra, les lumières, micro-cravate, fond vert, trépied, et aussi les perruques et tout le reste que vous verrez bientôt. Donc voilà, au pire, je ferai même une vidéo où je vous proposerai plus tard de choisir un masque. Si la chaîne marche bien, je le ferai. Je me proposerai plusieurs masques et vous choisirez. Mais bon, c'est pas demain la veille. Donc voilà. Et puis j'ai passé aussi beaucoup de temps à le peindre. Bon, ok, on pourrait croire que c'est un enfant de 5 ans qui l'a peint, il n'y a pas de souci. Mais non, non, c'est moi. Et voilà quoi. Ça m'embête un peu de changer tout de suite, quoi. Après, je reçois aussi des commentaires qui me disent de faire ce que j'ai envie, que le masque n'est pas choquant, que ça les dérange pas du tout. Mais je tenais vraiment à m'expliquer un minimum, parce qu'il y a beaucoup de critiques qui reviennent dessus et je voulais vraiment faire cette vidéo. Donc voilà. Après, il y en a aussi qui se plaignent que le son est pourri par rapport au masque, mais ça, je comprends pas parce que moi, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Après, quand je teste les vidéos pendant le montage ou après le montage, si je le mets sur VLC, par exemple sur Media Player, que je monte le son max, enfin, je mets le son du lecteur vidéo plus élevé que celui du PC, le son est pourri. Il faut juste que le son du PC soit plus élevé que le son du lecteur. Mais bon, après, vous, c'est sur YouTube, donc je comprends pas trop. Essayez, mais bon, je pense pas que c'est ça. Et voilà quoi. Donc essayez de passer, enfin si vous pouvez passer outre le masque et l'accepter, ça me ferait plaisir. Parce que des gens ne regardent pas mes vidéos ou s'abonnent pas à cause d'un masque, alors que je passe du temps à les faire, ça me fait chier, je vous le dis clairement. Mais bon, voilà quoi. Après j'espère que je vous aurai un minimum convaincu pour le masque. Je pense que cette vidéo-là, je la mettrai là, enfin je la proposerai en début de chaque. Enfin, je mettrai un lien pour les descriptions pour les personnes nouvelles. Donc, soyez pas choqués quand vous lancerez les vidéos. Et voilà, un lien dans la description. Bon, moi, je vous en aurai pas plus longtemps. C'était assez court. C'était juste pour parler du masque. Je vous embrasse, comme d'hab. Et je vous dis à très vite pour cette fois une prochaine vraie vidéo. Qui, j'espère, ne devrait pas tarder. Allez, gros bisous à tous. À la prochaine.